Domination. Équipe Bravo. Yo les gens, on est au Frax aux commandes pour une nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous allez bien. Pour moi ça va vraiment super bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo les gars. On se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny. Enfin cette vidéo arrive, mais avant de commencer un peu à parler de Destiny etc les gars, j'ai plein de choses à vous dire. Tout d'abord les gars, merci, mais un truc de dingue. Dernière vidéo là aujourd'hui, on a 165 vues les gars. Oh, 165 vues, c'est un truc de malade. Je suis passé sur plusieurs chaînes communautaires et tout. Je vous remercie, un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de fou. Et je vous fais un putain de kiss, les gars, sur le nez. Mais vraiment sur le nez, un truc de malade. 125 abonnés, c'est pareil. C'est... Non, 126, excusez-moi, les gars, c'est un truc de fou. Je vous aime, je vous remercie. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir. Vous savez quoi, les gars? J'ai un putain de défi. C'est simple. Si cette vidéo-là, elle a 100 vues. Ok, juste 100. Et ben la prochaine vidéo, je me filme en train de pisser et je vous le poste. Je vous le promets les gars, c'est votre petit défi. Donc faites ce que vous voulez. Vous partagez, vous likez, pas de unbot, pas de boost quoi les gars. Mais franchement, partagez à gogo, likez, commentez ce que vous voulez les gars. 100 vues, je me filme en train de pisser et je vous le propose. Les gars, faut savoir que j'ai la jambe dans le plat, ça va être super drôle de me voir pisser les gars. Bon, je vous montrerai pas ma dick les gars, mais bon. Donc c'est votre petit défi les gars, faites ce que vous voulez. Et puis c'est tout les gars, voilà, donc je voulais encore vous remercier, c'est un truc de dingue, franchement ça me fait vraiment super plaisir. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et on est sur Destiny les gens. Donc Destiny, c'est un jeu franchement génial, qu'il faut vraiment tester les gars. Et je vous expliquais un peu moi comment ça s'est passé, mon apprentissage un petit peu et tout. Donc aujourd'hui les gars, deuxième épisode, moi et Destiny. Donc tout d'abord les gars, faut savoir que moi Destiny, je voulais pas du tout l'acheter. C'était un jeu ouais, presque qui me répugnait les gars. Et j'ai un collègue, donc Jason, j'en ai déjà parlé, qui m'avait passé une bêta gratuite de ce jeu. Et donc ben, je me suis laissé emporter un peu par l'esprit de Destiny, que je vais un petit peu expliquer lors de cette vidéo. Et franchement j'ai bien kiffé les gars, franchement ça m'a vraiment plu du tournerre. Et quand il est sorti, quelques jours après sa sortie, je l'ai acheté. J'ai pas trop geeké dessus, mais j'ai quand même bien joué. Et franchement je me suis régalé. Donc je vous ai tapé ce petit gameplay, je ne l'ai pas présenté, on est en domination. La map je connais pas, l'arme je connais pas non plus. Et donc faut savoir que je jouais avec l'espèce de fusil d'assaut et le sniper. Donc sur Destiny, le sniper est un arme secondaire et c'est quelque chose d'assez compliqué à manier les gars, vous verrez lors du gameplay. C'est pas du full sniper, mais il y aura une petite action sympa au snipe. Et j'espère que les gars vous mettrez un like pour cette action, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu, donc moi et Destiny, voilà, les côtés un peu positifs et les côtés un peu négatifs. Donc tout d'abord les côtés positifs, c'est un point qui peut être dans les deux cas, positif ou négatif, c'est que c'est un jeu multijoueur. Donc faut savoir que voilà, si t'as pas de connexion, tu pourras pas jouer à Destiny, donc ça c'est un point négatif. Mais du coup tu peux faire la campagne solo à plusieurs, donc si voilà, par exemple je sais pas, t'es niveau 3, tu galères à faire une mission de niveau 4 ou 5, j'ai un niveau 20 qui peut t'aider. Tu vois, il va être armé comme un gros badass, le niveau 20, il va pouvoir t'aider. Donc ça peut être un point assez positif. Après, comme je dis, quand t'as pas de coach, tu peux pas jouer. Ensuite, il y a le système d'armes qui est assez sympa. C'est un nouveau système, c'est un petit peu un FPS, donc. Mais je trouve ça assez sympa, le système des armes qu'on peut, par exemple, créer une classe partout, en fait. Ta classe, tu peux la créer pendant la partie, pendant le chargement. C'est vraiment un truc super sympa. Et j'aime bien aussi comme le côté futuriste un petit peu, donc les doubles jumps, l'armure que tu dois construire ou quoi. Après, je vais pas non plus vous expliquer en détail, c'est pas un tuto, donc comment je vois Destiny ou quoi. C'est juste, voilà, faut un petit peu connaître un minimum. Donc, je vais vite fait, mais très rapidement vous expliquer. En gros, Destiny, donc t'es un guerrier, tu dois combattre le mal, en gros. Donc pour ça, t'as des niveaux. Tu t'achètes tes armes, tes armures, et au fur et à mesure que tu avances dans le niveau, tu deviens de plus en plus badass, de plus en plus fort, etc. En gros, c'est ça, faut comprendre ça de Destiny. Et c'est un jeu vraiment, les gars, je vous le redis, génial. C'est vraiment un jeu où il faut jouer. Il y a pas mal de points positifs, notamment le système, donc j'avais expliqué des armes, mais le système des véhicules. Le véhicule, c'est pareil, ça peut être positif ou négatif. C'est que tu peux te déplacer avec ton propre véhicule sur la map, donc une espèce de petite moto, donc c'est assez sympa.
Mais le défaut, voilà, c'est qu'il y a certains véhicules sur certaines maps, donc les maps les plus grandes, en multijoueur je parle, où on a des véhicules qui peuvent tuer. Ces véhicules sont vachement cheatés, et ça je trouve ça dommage, c'est un point négatif. Mais après, les véhicules simples où tu peux pas tirer avec, c'est vraiment super bien pour se déplacer, je trouve. Moi franchement j'aime bien ce point. Après j'aime bien les maps sont bien ouvertes, bien éclairées, bien modélisées. Et franchement je peux vous promettre qu'elles sont sympas. Le gameplay sur la map que vous voyez sous les yeux, elle est vraiment géniale. Franchement j'ai rien à dire dessus, je me tape des fucking gameplay. Et moi je pense que c'est vraiment un super bon jeu. Après il y a un autre point, ça c'est un point négatif les gars. C'est la vie. La vie, franchement les gars, il y a beaucoup beaucoup de vie sur Destiny. Je parle d'un point négatif, mais je pense que la vie, j'ai plutôt le mettre dans un point positif en fait. Donc tout d'abord, faut savoir qu'il y a deux jauges de vie. Il y a tout d'abord la jauge de l'armure, qui est super longue à enlever, donc vous allez le constater très rapidement. Et après, t'as la jauge rouge, c'est la vie pure, où elle diminue vachement plus vite quand même. Mais c'est vrai que sur le coup, la vie, il y a beaucoup beaucoup de vie sur ce jeu. Après, le truc qui est super dur, c'est l'expédia. L'XP c'est le gros bordel et ça je pense que c'est le gros gros point noir de ce jeu. Tout d'abord les gars, l'XP c'est super long pour monter, mais ça se marche en deux phases. Tout d'abord t'as la phase jusqu'au niveau 20, donc moi je suis niveau 17 là où je vous parle, 18 je sais plus trop. Et donc ben là jusqu'au niveau 20 c'est l'XP normal, tu joues tu gagnes de l'XP tout simplement. Mais quand t'arrives niveau 20, c'est un XP particulier, si tu viens c'est des lumens ou un truc comme ça. C'est en fait c'est en achetant des armures spéciaux ou des armes spéciaux. Donc c'est des armes légendaires si tu pas de suite. Et quand tu achètes une armure ou une arme légendaire, ça te fait gagner des XP chelou. Et c'est comme ça que tu fais pour monter à partir du niveau 20. Donc c'est armes légendaires sont possibles. Enfin, on peut l'utiliser à partir du niveau 20. Mais je trouve ça vachement galère. Moi j'ai plein de collègues qui sont au niveau 22 quoi. Et qui galèrent pour monter juste un niveau. C'est la grosse folie. Après il y a quand même pas mal de... J'ai perdu mon mot. Pas mal de possibilités pour monter. Il y a par exemple des défis. Donc c'est des contrats, ça s'appelle plutôt. Tu vas voir un type qui te donne des contrats. Et si tu remplis ces contrats, certains contrats vont t'as. Excusez-moi les gars, gagner de l'XP. D'autres gagner des lumens, etc. Donc, non, les lumens c'est des fous. De l'XP légendaire. Et bon, c'est un petit peu le bordel à comprendre les gars. Mais je peux vous promettre que si vous jouez à Destiny avec quelqu'un qui s'y connaît, rapidement vous allez vraiment vous régaler. Y a pas de souci là-dessus. Voilà, je voulais aborder un dernier point sur Destiny. Donc moi et Destiny, ça va être les planètes. Ça c'est un truc de tuerie. Ce qu'il y a en fait, c'est que Destiny c'est une grosse map. Tout d'abord au milieu, t'as la tour. Donc la tour c'est un peu là où tu fais tes achats, où il y a toutes les personnes en multi quoi. Et après t'as plein de planètes où tu peux faire des missions tout seul ou des missions en coop. Ça c'est vraiment un truc de tuerie. Et après t'as une petite planète qui débloque à partir du niveau 4 et c'est le multijoueur. Et vraiment en fait je trouve ça super pratique parce que tu peux refaire des missions que t'as déjà fait. C'est vraiment très clair dans ta tête en fait avec une système de planètes. Et franchement je trouve ça vraiment super bien, il n'y a rien à dire là-dessus les gars. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un petit peu moi et Destiny. J'ai expliqué un peu brièvement moi ce que je reprochais au jeu, mais ce que j'appréciais vraiment sur le jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me demander de faire une autre vidéo explicative si vraiment vous voulez. Il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo explicative. Là, c'est vite fait une petite vidéo intro pour ma toute première vidéo sur Destiny sur ma chaîne. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit like, c'est la récompense, les gars, ça me fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas, défi 100 vues sur cette vidéo, prochaine vidéo, je vous prends moi en train de pisser, les gars. Ça serait vraiment assez fun de devoir me filmer comme ça. Si vous voulez jouer avec moi sur Destiny, il n'y a pas de soucis, vous savez mon pseudo, il y a nos soucis. Je voulais mettre, puisqu'il me reste un peu de temps, parler donc en fin de vidéo, voilà. Il y a un abonné donc qui a fait une grosse dédicace, qui m'a fait une petite bannière. Et donc là voilà, il y aura un petit screen de la bannière qui s'affichera. Ça m'a fait vraiment super plaisir, je trouve ça super chouchou de ta part d'avoir vu cette petite bannière. Donc dédicace à toi. Je vous le redis les gars, si la vidéo vous a plu, petit like, commentaire, abonnez-vous, c'est la récompense. Et moi je vous dis ciao les gars, c'est notre acte. Allez, kiss.
zone perdue. Zone C, sécurisée.